Heureux de vous retrouver une fois encore sur Afrique Média Télévision dans le cadre de votre programme, le rituel étude et bien d'autres des questions de lendemain. Mais la question fondamentale qui reste et demeure effectivement l'agriculture et la santé, et bien alors qu'il y a encore une véritable floraison d'engrais et autres engrais chimiques, j'entends pas, fongicides qui sont longuement utilisés, notamment dans le cadre de l'agriculture dite industrielle. Quelles en sont véritablement les conséquences? Mais surtout, quels sont les véritables palliatifs à ce qui est présenté aujourd'hui comme étant une véritable panacée pour une agriculture dite à grande échelle? On en parle effectivement avec nos deux invités qui ne sont plus en multiplex, mais qui sont avec nous sur un plateau, sur ce plateau. Santa, c'est un réel plaisir que d'être avec vous, grand prêtre. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Merci, merci de nous accueillir dans ce somptueux studio. Merci encore une fois de toujours penser à nous les agriculteurs, à nous les paysans qui sommes souvent considérés comme des sans-voix. Merci de nous donner la voix. Merci, tout le plaisir. L'autre, il y a quelqu'un qui nous a longuement écrit en semaine pour dire qu'il avait véritablement apprécié votre lecture sur le fait qu'on retrouvait davantage des boutiques dans nos villages aujourd'hui avec surtout des produits importés au lieu des produits pourtant locaux, avec un paradoxe pour nous Africains. Ben oui, c'est ça qui est dommageable, parce que lorsque les boutiques qui devraient être, si vous voulez, des comptoirs où on devrait procéder d'une certaine manière à des échanges, à un troc, c'est-à-dire que vous venez dans la boutique, vous avez votre maïs. Alors même un gibier. Voilà, ou n'importe quoi, vous déposez dans la boutique. Et puis, vous avez besoin de sel. Et puis, vous allez avoir le sel, vous déposez votre maïs et tout. Et puis, l'argent intervient tout simplement comme, si vous voulez, un élément de transaction, tout simplement. Mais la boutique devrait servir à cela. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dans la boutique, on trouve dans les villages africains, et c'est ça le grand drame, on vient trouver 99% de produits importés. Ouais. Et vous savez ce que veut dire un produit importé, surtout lorsque nous sommes dans l'alimentation. Il y a des risques qui soient avariés. Des risques d'avarie, c'est certes.
La durée que met l'aliment pendant le Son transport trajet entre en le pays saison. de départ et l'arrivée là où on va le consommer, les intempéries, parce qu'il y a des aliments, par exemple, qui ont besoin pour pouvoir se conserver d'une certaine température et qui se retrouvent Le contexte de donc conditionnement, on a d'ailleurs eu, le on va conditionnement. pas faire le débat ici, mais on a eu, il y a un cas d'ailleurs brûlant au Cameroun avec une entreprise qui fait dans la commercialisation ou alors distribution, on va dire, du poisson au Très Cameroun et bien, qui fait véritablement les voilà. choux gras de la presse ces derniers mois. Ben oui, avec par exemple du formol qu'on est obligé de mettre sur des produits pour les conserver pendant longtemps, jusqu'à des produits y compris, hein, regardez les oranges par exemple. Vous allez voir souvent des grandes quantités d'oranges qui apparaissent dans les étalages en Afrique par-ci par-là. Pour éviter que ces oranges se détériorent, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on les fait mûrir artificiellement avec des produits de synthèse, mais en plus de cela, on les formolise pour que le transport ne les amène pas à se détruire, à se désagréger. Et donc tout cela va donc se retrouver forcément dans le sang des consommateurs. Et alors bienvenue, toutes sortes de pathologies, toutes sortes de maladies nouvelles, parce que il y a des maladies qui apparaissent, les gens se demandent, mais pourquoi avant il n'y avait pas telle maladie et maintenant elle apparaît? Mais elle apparaît parce qu'entre-temps, on a nourri la terre, on a nourri la plante avec des produits de synthèse qui viennent d'être fabriqués et découverts ou inventés entre-temps. Ça n'existait pas auparavant. Donc c'est pour cela que ces maladies aussi n'existaient pas. Dès qu'on a donc utilisé des produits de synthèse, forcément, eh bien, des nouvelles maladies vont apparaître parce que le corps humain, qui a une sorte de centrale, un organe particulier qu'on appelle le foie, qui joue un rôle très important là dans la régulation, la protection et le tamisage même des éléments qui peuvent nuire à la santé humaine. Ce foie est en permanence agressé et lorsqu'il est totalement fatigué et qu'il ne peut plus être aidé par exemple par la rate ou le pancréas, forcément nous nous retrouvons donc avec des situations nouvelles que l'organisme ne peut plus gérer et dont nous voyons donc apparaître des maladies qui vont donc entraîner une nouvelle course au niveau des scientifiques pour qu'ils trouvent donc la solution à cette nouvelle maladie qui est arrivée. Mais le problème, c'est que l'apparition des maladies, des pathologies, est beaucoup plus rapide que la capacité de la science à découvrir des palliatifs. Encore que ces palliatifs qu'on va trouver sont des palliatifs toujours basés sur les produits de synthèse, donc sur de la manipulation humaine. Sans oublier effectivement le fait que la science, qui est essentiellement devenue aujourd'hui mercantiliste, hein, ne fonctionne que pour la recherche de l'argent et Le non gars est pour le freiné d'ailleurs. bonheur de l'homme. Tout à fait. Alors vous voyez donc que nous sommes là devant une situation très très complexe qui nécessite aujourd'hui que, surtout nous en Afrique, parce que nous on peut encore le faire, que nous puissions mettre l'emphase sur la qualité de l'aliment que nous devons consommer. Et si nous voulons mettre l'emphase sur la qualité de l'aliment que nous devons consommer, nous devons pratiquer nous-mêmes cette agriculture. Si nous ne pratiquons pas cette agriculture, on continuera toujours d'importer. Regardez ce qui se passe avec le bavardage, hein, moi j'appelle ça le bavardage, qui aujourd'hui on dit, bon voilà, les bateaux ne vont plus circuler pour aller livrer Les les céréales, céréales, les machin, qui bio. viennent de l'Ukraine et tout, quelle honte d'ailleurs. Et du coup, on se demande, mais les céréales, quand on dit céréales, on pense d'abord au maïs. Parce que c'est le maïs qui est le céréale qui se plante, qui peut pousser partout sur la terre, Certainement même. le plus consommé, l'un des plus consommés. C'est le plus consommé même sur la terre, le maïs. Mais curieusement, on veut nous faire absolument consommer le blé. Et on veut faire croire aussi que sans le blé qui va venir de la Russie ou de l'Ukraine, nous allons crever de faim. Alors que pour produire le maïs, il nous faut juste 3 mois. 4 mois maximum, on est déjà en train de manger le maïs qui a déjà été même séché. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en
un pays qui décide, par exemple, d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que pour le maïs, ce pays-là peut le faire en maximum 2 ans. C'est 2 ans maximum. Parce qu'on peut cultiver, pour certains endroits, certaines zones écologiques, on peut cultiver le maïs, par exemple, en mars, on récolte au mois de juillet, et après, on plante encore au mois d'août et on récolte en novembre-décembre. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité de cultiver 2 fois dans l'année. Tout au moins. Et si vous multipliez, tout au moins. Et si vous faites donc 2 fois dans l'année par 2, c'est-à-dire 2 ans, ça fait 4 cultures. Et 4 cycles de culture, cher ami, ça vous donne la possibilité de garantir l'autosuffisance alimentaire du point de vue des céréales. Tout à fait. Mais comment il arrive que on continue à nous faire croire qu'on doit importer les céréales. Alors que le pain, le beignet, le gâteau, la galette, tout cela, on peut le faire avec du maïs. Sans oublier, bien sûr, toutes les combinaisons possibles avec les autres céréales, le sorgho, le mil, l'avoine, avec tous ces céréales-là, y compris d'ailleurs la patate, le plantain, la banane. Donc, tout cela fait en sorte que c'est encore une fois notre appel que nous voulons toujours lancer aux Africains. Attention, l'autonomie sur le plan alimentaire, l'autosuffisance sur le plan alimentaire devient un enjeu, de même que les enjeux des autres aujourd'hui. C'est la maîtrise des armes pour se battre et s'autodétruire. Notre enjeu réel en Afrique, c'est la maîtrise de notre agriculture, de notre production agricole, parce que c'est de là que c'est de ça que dépend notre santé. Parce que si nous mangeons convenablement, nous sommes moins malades. Et si nous sommes moins malades, on fait beaucoup d'économies en ce qui concerne les produits manufacturés, les produits, je veux dire, pharmaceutiques qui nous viennent, qui sont importés. Si vous prenez l'exemple du paludisme, qui est un fléau en Afrique, eh bien, quand vous avez planté votre artémisia ou vous avez planté votre manguier, vous êtes au moins sûr que avec votre manguier, avec votre artémisia à côté de vous, au lieu, lorsque un paludisme est grave, de dépenser au moins 25 000 francs pour votre guérison, le maximum que vous allez dépenser, c'est peut-être 100 francs CFA. Parce que vous avez juste à trouver de la semence pour planter cette plante pour la mettre en terre. Et quand vous la mettez en terre, bien évidemment, lorsque vous êtes malade, eh bien, vous allez prendre tout simplement cela, vous allez vous soigner. Vous voyez donc, vous avez économisé rien que pour chaque cas de palud. Et quand on sait que chaque Africain fait au moins 2 paluds par an, eh bien, vous n'avez qu'à faire le calcul pour voir que ça fait des économies énormes qui nous permettent d'investir dans d'autres secteurs. D'accord, merci. Merci infiniment à vous, grand prêtre Moubitan. Je rappelle que vous êtes agriculteur, parce que parfois, votre maïtique panafricaniste amène les uns les autres à se dire, tiens, il vit où en Europe? Non, il vit très loin dans les forêts tropicales du Cameroun. On est très heureux de vous avoir. Docteur Fabou, vous êtes à nos côtés. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, mais paysanne et agricultrice également. Exactement. Un fait d'actualité, notamment, et je sais pas, il a le don d'ubiquité, le grand prêtre, parce qu'il est revenu dessus et ça fait véritablement débat du côté de Cameroun, le cas des formoles qui sont généralement inoculées dans les fruits et même dans certains produits et qui sont malheureusement vendus aujourd'hui. Quels sont les risques véritables, en tout cas, de consommer un produit pareil? Nous savons déjà que le formol, c'est un élément qui est précisément utilisé pour la conservation des organismes humains qui ne sont plus actifs. Nous savons que principalement, c'est connu comme ça dans la société. Et donc, nous savons que si c'est un élément qui est utilisé, on va dire vulgairement, à la morgue, ça veut dire que on peut déjà déduire, on peut déjà imaginer l'effet que cet élément peut avoir dans un organisme vivant. Puisque c'est un... Oui, exactement, parce que n'allons pas trop dans des thèmes ou dans des réflexions, ils sont trop scientifiques avec les thèmes scientifiques, en essayant de voir de manière générale ce qui se passe communément pour bien comprendre. Si un élément est utilisé pour assembler des éléments morts, ça veut dire que cet élément, s'il est utilisé dans un organisme qui est vivant, il y aura des effets qui sont opposés à ce qui est recherché dans un organisme mort.
ça sert à assembler ce qui est mort. Donc ça veut dire que ça sert à détruire ce qui est vivant. Donc on aura tout simplement la destruction donc, des cellules vivantes, avec même une mutation de ces cellules-là, parce que ce n'est pas adapté aux cellules vivantes. C'est un élément qui est fait pour des éléments morts. Et donc, si nous mettons dans ces, du formol au niveau des fruits qui sont encore vivants au moment où on les met, parce qu'on voudrait absolument qu'ils gardent la forme vivante, entre guillemets, c'est parce qu'on sait que dans tous les cas, ces fruits-là seront morts. Mais on aimerait que ces fruits gardent la forme, une forme attirante et tout. Mais en réalité, on a tué le fruit avant même le moment où il devait se décomposer. Et donc, on le rend toxique, mais avec une apparence de agréable, de bonne santé et tout. Donc, ça veut dire qu'on tue nos cellules, que ce soit les cellules de nos fruits, que ce soit nos cellules à nous-mêmes, tout simplement pour garder une apparence agréable, intéressante, attractive. Et donc, on peut dire en gros, le formol, c'est un élément tout simplement qui détruit nos cellules, que ce soit les cellules de nos plantes, de nos fruits, ou encore nos cellules à nous-mêmes, parce que nous les consommons. C'est simplement dommageable. Alors, grand prêtre, une question qui me taraude l'esprit. Oui. On a d'ailleurs vu les médias, je parlais des médias étatiques qui ont fait des magnifiques reportages là-dessus pour présenter véritablement la face hideuse de l'application de ces formats dans ces produits. Mais est-ce que, oui, le fait de dénoncer, c'est peut-être intéressant, mais est-ce que les causes véritables qui conduisent à cela ne sont pas lointaines, notamment le cas du manque des voies de communication qui, habituellement, alors régulièrement, sont, pour ma part, la conséquence principale du fait qu'on ne puisse pas facilement écouler les produits vers les centres urbains. Alors, très bien. Alors, il faut déjà apporter un élément important dans la compréhension des consommateurs et des producteurs. Il faut savoir que un produit qui est, par exemple, gorgé d'eau, je pense ici aux fruits, aux légumes, qui sont suffisamment gorgés d'eau. Un fruit qui est gorgé d'eau se dégrade plus rapidement qu'un produit qui n'est pas gorgé d'eau. D'où la nécessité souvent de faire ce qu'on appelle la déshydratation du fruit pour l'eau conservée ou du légume. La déshydratation du fruit ? Oui, déshydraté. Mmh. C'est-à-dire qu'enlever de l'eau pour que le fruit ne puisse plus donc s'abîmer ou le légume. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle le séchage. Donc, dans un terme plus technique, on parle de déshydratation. Mmh. Donc, dès que on a pu, et c'est pour cela que, vraiment pour être direct et apporter en même temps des solutions, c'est pour cela que nous disons ceci. Les processus de décentralisation en Afrique doivent absolument s'accélérer. À toute urgence. De toute urgence. Il faut que la décentralisation arrive jusque dans les villages. Ce n'est pas seulement au niveau des communes. Ça doit arriver jusque dans les villages. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi est-ce que hier, bon, on a essayé, si je prends le cas du Cameroun, on a essayé de résoudre le problème de cette incongruité qui faisait que, par exemple, un sous-préfet, hein, donc qui est l'autorité administrative au niveau de l'arrondissement, puisse avoir un salaire et que le chef du village n'avait pas de salaire. Ça, au Cameroun, par exemple, ça, on a réglé ça. Parce qu'on dit le chef du village est un auxiliaire de l'administration. Donc, de toutes les façons, il participe à l'administration. Maintenant, il y a même autre... si beaucoup, c'est une question politique. On ne va pas y revenir. Oui, mais Est-il qu'on a quand même on a réglé un impair pour vous. Oui, je pars de là pour démontrer que ça ne suffit pas. Parce que si on a déjà fait ça, on se demande alors pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque des fonds venant de la décentralisation arrivent dans les communes, pourquoi ces fonds ne partent pas jusque dans les villages, là où se trouve effectivement la plus grande partie de là où est pratiquée l'agriculture?
Vous voyez, c'est-à-dire est-ce qu'il est suffisamment considéré même ce pan de l'agriculture au Cameroun? J'ai été agréablement surpris en lisant le rapport d'un État, je crois il y a cela quelques semaines, je vais le citer, la République centrafricaine. Et dans le bilan annuel, on a bien fait de montrer le niveau de progression du point de vue de l'agriculture dans ce pays. Vous êtes plus âgé que nous et c'est un nono pas. Je ne sais pas s'il y a eu un discours de chef d'État où on a véritablement fait mention de la situation de l'agriculture au Cameroun. Non, et en ce qui concerne le Cameroun, effectivement, il y a une de ces faiblesses incroyables. Je n'arrive pas à comprendre comment un pays qui devrait être essentiellement agricole n'arrive pas, même les comices agropastoraux qui ont été programmés, sont devenus un véritable serpent de mer. Même lorsque ça a lieu, on fait déplacer même le chef de l'État. Les résolutions qu'on prend et tout, rien n'est suivi. Tout le monde va s'asseoir et tout et court après des passerelles qui leur permettent de gagner facilement de l'argent et tout, alors que l'agriculture devrait être le véritable pilier du développement. Parce que quand un peuple a mangé convenablement, comme je disais tout à l'heure, non seulement il est moins malade, il est moins stressé, et ce peuple a de l'énergie pour pouvoir donc apporter une contribution sérieuse dans le développement du pays. Je ne peux pas comprendre donc qu'on ne puisse pas aller jusqu'à ce que l'agriculteur soit encadré, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que vous avez posé la question qui concerne effectivement la nécessité de transformer les produits sur place, là où se trouve l'agriculteur. Parce que ça a plusieurs avantages. Tu vas voir que lorsque vous avez, prenons le cas de 10 kilos de bananes que vous avez déshydratées, 10 kilos de bananes fraîches. Quand vous déshydratez, vous n'allez plus transporter 10 kilos. Vous allez transporter maximum 1 kilo. Tout à fait. Sur 10. Ouais. Le transport de la banane qui aurait pu nécessiter d'avoir un camion qui fait dans les 40 tonnes, eh bien, vous allez avoir besoin d'un camion qui a juste 4 tonnes. Et qu'en fait, là, il faut éduquer les masses. Il faut éduquer c'est de ça qu'il est question. Qui va donc leur dire comment conserver véritablement la banane? On a des images. Là, on rappelle que ces images nous viennent du village Nyafianga. Ce ne sont pas des images importées. Mais bien sûr. Véritablement consommées au quotidien. Alors, c'est pour cela que je dis, pour que vous puissiez, l'agriculteur puisse vivre réellement de son agriculture, il ne doit pas seulement arracher, prendre le produit en terre et l'envoyer tel qu'il est. Il doit être transformé sur place. C'est ça qui donne la plus-value. C'est-à-dire que l'agriculteur qui a son plantain qui coûte 1000 francs, bord champ, quand il a transformé et donc déshydraté ça sur place, lorsque ça va partir, il gagne 5 fois plus. Je vous dis, faites les calculs. Tout le monde peut s'asseoir chez lui, il le fait. Le gars gagne 5 fois plus que lorsque le plantain part étant frais. Et pourquoi on s'entête à partir? C'est incroyable. Pourtant, c'est ce plantain qui va permettre d'avoir suffisamment de farine pour que les boulangeries puissent mettre à la disposition des consommateurs la vraie farine, le vrai pain qu'il faut, au lieu de courir chaque jour en train d'aller manger le pain fait à base de blé importé, cultivé avec les organismes génétiquement modifiés et tout cela. Donc la question de l'encadrement du gouvernement vis-à-vis de la population rurale, d'où vient l'essentiel de la production agricole, doit être une question vitale. Parce que s'il y avait l'électricité jusque dans les villages, à côté du champ, à côté de la plantation, on déshydraterait, c'est-à-dire on sécherait tous les produits et ces produits arriveraient avec plus de chances, non seulement d'être bien conservés, mais en plus d'arriver et de produire des richesses déjà dès la base au village. Et cela a un effet induit. Ça va entraîner immédiatement que la jeunesse africaine recommence à aimer le village, parce que la jeunesse va se rendre compte que c'est au village qu'on gagne 5 fois plus lorsqu'on a transformé le produit là sur place au village. Les gens ne s'imaginent pas que la tomate, on peut la sécher. On sèche tous les fruits, même les oranges.
Alors là, je dis même les oranges, on sèche. Tout produit est déshydratable. Parce que déshydrater, c'est quoi? C'est enlever juste l'eau. Et quand tu enlèves l'eau, le sucre, si c'est un fruit sucré, il reste donc concentré et c'est du bon sucre. Le sucre naturel. Et c'est avec ça que vous pouvez sucrer tout ce que vous voulez, au lieu de courir pour aller prendre des carrés de sucre qui sont fabriqués avec du formol et tout ça. Là, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, vous voyez qu'il y a une nécessité aujourd'hui de faire en sorte que nous allions retrouver l'Afrique dans son espace où nous devons protéger nos populations. Parce que même vous, lorsque vous êtes en ville, lorsque votre maman, vieille maman que vous avez laissée au village, dès qu'elle est déjà malade, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre encore des produits chimiques en ville, dans les pharmacies, pour lui envoyer cela au village et tout. Et tout cela pourquoi? Parce qu'elle mange déjà les choses qui sortent de la boutique. Vous voyez le cercle vicieux? En mangeant ce qu'il y a dans les boutiques, les enfants mangent ce qu'il y a dans la boutique et tout, ils tombent malades tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est les produits chimiques qui doivent venir de la ville et tout. Alors que, s'ils étaient restés sur le plan naturel, en train de consommer des éléments naturels, et donc de bonne qualité et en quantité, parce que la conservation est réalisée sur place au village, et Dieu seul sait qu'on a suffisamment de soleil en Afrique, parce que le séchage n'est pas seulement le séchage électrique. Le séchage aussi, c'est pendant qu'il y a une grande intensité de soleil, on peut faire du séchage en protégeant les aliments à travers, avec des grillages, hein, des grillages anti-moustiques et tout cela, pour que les aliments puissent sécher sans que les mouches puissent déposer des larves et tout cela. Donc, il est question, et ça c'est une question éminemment politique, ça ne peut se régler que sur le plan politique. Donc, apporter de l'eau dans les villages, apporter de l'électricité dans le village, et accompagner les paysans en faisant en sorte que les pistes rurales puissent être entretenues efficacement. Et cela encore concerne la question de la décentralisation. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un pays peut être essentiellement et devrait être essentiellement agricole et n'a pas dans chaque commune des engins qui sont là en permanence pour entretenir les pistes rurales. Mais où va tout l'argent quand vous avez un budget, par exemple, de 12 milliards comme en Côte d'Ivoire, quand vous avez un budget de 6 000 milliards comme au Cameroun? Mais pourquoi on ne peut pas faire en sorte que les engins puissent être, les communes puissent être dotées des engins leur permettant de pouvoir entretenir les pistes rurales? Pourquoi ça doit toujours être des marchés qui sont négociés entre coquins et copains et où règne la corruption, alors que la commune est bien placée pour centraliser ce genre de choses et même produire et mettre en place ce qu'on appelle des véritables magasins pour la conservation des produits et même mettre en place des structures pour pouvoir déshydrater les produits? Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, tu te poses la question. Est-ce que nous sommes encore normaux? Merci à Carlos qui nous a fait revivre certaines images. Ce ne sont pas les pistes rurales dont parlait le grand prêtre tout à l'heure. C'est une illustration de ce magnifique village. Alors, docteur Fambou, je vous reviens. Et effectivement, pour essayer de comprendre les politiques qui sont implémentées chez nous. Et le grand prêtre en parlait tout à l'heure pour s'en offusquer de ce que, eh bien, l'on est, parlant de nos états, on semble être beaucoup plus d'attaque pour essayer d'apporter des solutions, pour courir rapidement, en fait, pour apporter des palliatifs aux questions de santé, mais on ne s'intéresse pas véritablement aux questions de fond, notamment sur le cas de l'alimentation. J'arrive. Si on a une population qui est véritablement malade, elle n'est pas productive, elle n'est pas rentable, elle doit être prise en charge par l'État qui, disons-le, consentit quand même un copain. Qu'il soit minable, qu'il soit conséquent, toujours est-il qu'il y a une bonne partie de nos impôts qui sont orientés pour véritablement prendre soin, pour prendre cette population en charge. On a vu le cas, effectivement, du Covid, c'est plus tard qu'on s'est véritablement rendu compte que l'État s'était vidé pour essayer d'apporter un certain nombre de solutions, ou alors préfinancer, ou alors financer même les produits qui devraient être mis en place, que ce soit les structures, bien d'autres, pour encadrer véritablement les malades. Pourquoi est-ce que l'on ne voudrait pas s'intéresser aux questions de forme, notamment le cas de l'alimentation, pour véritablement permettre un État d'avoir, non pas d'atteindre seulement l'autosuffisance alimentaire, mais d'avoir une alimentation de qualité, une alimentation saine?
Tout d'abord, monsieur Ndoum, c'est le problème part du fait que la génération actuelle de, on peut dire, de médecins s'est beaucoup éloignée de ce que c'est que la vraie médecine. Déjà, ce qui est enseigné dans les facultés de médecine, c'est un modèle qui a été calqué chez les Occidentaux, chez les autres, et qui a été amené chez nous. En France. Et ce modèle-là, il s'y est à cause de leur niveau de développement actuel. Et par contre, nous, nous avons encore tout à refaire, tout à construire et tout. Et on devrait aller au niveau de la base. On ne devrait pas calquer un système par rapport à un avancement particulier, un niveau particulier d'un peuple, pour adapter un peuple qui commence à se développer, à s'ouvrir, à s'interroger, à vouloir comprendre. En fait, c'est un système qui ne nous convient tout simplement pas. Et en essayant donc d'aller dans la base même du problème, comme vous l'avez dit, qui est l'alimentation, il faudrait donc des émissions comme celle-ci, une sensibilisation. Il faudrait... Docteur Fabulia, oui. Seydou, parent Abdelaziz, qui nous dit il y a un problème de manque de sensibilisation dans ce sens. Merci de nous avoir éveillé la conscience et les conséquences sur les conséquences de ces produits. Il nous écrit via la page Facebook de l'émission. Justement, le bien fondé d'une émission comme celle-ci pour éveiller les consciences, exactement, leur donner les outils nécessaires pour, exactement, véritablement se départir d'une alimentation qui causerait à l'avenir des dommages et nous épuiser davantage sur le point financier, émotionnel et à tous les niveaux. Exactement, parce que, et tout à l'heure vous avez précisé le plan émotionnel, parce qu'en réalité l'aliment a un très grand apport au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, ce bien-être là. Parce que lorsqu'on est bien, lorsqu'on n'est pas stressé, lorsqu'on n'a pas de problème émotionnel, c'est-à-dire de tristesse, de manque d'emploi, de stress et tout, on est plus apte, on est plus productif. Et donc l'aliment a un rôle très important à ce niveau-là, parce que lorsque nous essayons de nous observer nous-mêmes, lorsqu'on voit un plat qui nous plaît bien et tout, on devient tout de suite de bonne humeur. Avant même d'avoir mangé, on y perd sa livre, on est déjà content. Bon, maintenant, lorsqu'on arrive donc à consommer l'aliment, il faudrait que cet aliment-là soit à l'image de ce qu'il nous faut, dans ce bien-être qu'on a ressenti. Il faudrait que cet aliment soit imprégné de bien-être aussi. Il ne faudrait pas que ce soit un aliment qui a été détruit par des engrais, comme on a dit la dernière fois. Il ne faudrait pas que ce soit un aliment qui a été trop cuit, donc qui a perdu ses essences. Il faudrait pas que ce soit un aliment qui a été protégé, en fait, je veux dire conservé par certains produits comme le formol, comme on a dit tout à l'heure, qui l'a déjà dénaturé. Faudra un aliment qui soit constitué comme il devrait être de manière naturelle, comme il est sorti de la terre, comme il devrait même sortir de la terre, c'est-à-dire sans les engrais chimiques et sans des conservations qui ne devraient pas être. Et nous, lorsque nous essayons de regarder dans le côté dans plaisir, joie et tout, nous avons une hormone qui nous aide beaucoup pour pouvoir, on peut dire que c'est une hormone qui lutte contre le stress, une hormone qui lutte contre la mauvaise humeur, donc c'est une hormone du bonheur qui est la dopamine, mais c'est une hormone qui est à double tranchant, comme tout ce qui existe sur la terre, il y a le bon, il y a le mauvais, en fonction du chemin qu'on prend. Et donc, la dopamine, donc, c'est une hormone qui, on peut dire, c'est précurseur dans des éléments qui permettent sa fabrication, qui sont contenus beaucoup plus dans les produits naturels, dans les fruits, les plants, les légumes et tout, et beaucoup plus au niveau de la banane. La banane qui est un aliment que les Africains ne savent plus comment consommer, mais qui est exagérément consommé par les autres. Donc, c'est un aliment qui contient beaucoup de précurseurs de dopamine et même un peu de dopamine, ce qui fait en sorte qu'en consommer tous les jours nous garantit déjà la bonne humeur. Déjà, si vous essayez même de manger un doigt de banane, de mettre un doigt de banane à la bouche, vous voyez directement que l'humeur a quand même changé. Quand vous essayez de vous observer, quand vous mangez la banane, directement l'humeur a changé, surtout la banane qui provient du village Pelosev Africa, parce que les éléments qu'on observe, c'est quelque chose. Exactement, voilà, exactement. C'est pas la publicité, c'est la vérité. Voilà. Je suis un témoin de cette réalité-là.
Voilà. Donc, lorsque vous consommez de la banane, vous ressentez directement un changement d'humeur direct. Mmh. Ce n'est pas, il n'y a pas besoin de transition. Et il y a donc des éléments comme ça qui contiennent donc ces précurseurs de dopamine là qui sont très bien pour l'organisme à l'état cru et pour des éléments comme le pistache qui contiennent aussi ces précurseurs qui doivent quand même un peu passer au feu, on peut dire pas beaucoup. Mmh. Voilà, donc, mais maintenant le mauvais penchant de cet élément là, c'est lorsque, en dehors des engrais chimiques et tout ça, il y a aussi un problème dans le mode alimentaire des Africains et dans le monde entier même. Mmh. C'est que nous consommons aussi beaucoup d'animaux. Et il ne faut pas oublier que les animaux sont constitués à peu près comme nous, les êtres humains. Nous, les êtres humains, nous avons la capacité de produire la dopamine de nous-mêmes. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne les animaux. Ils ont la capacité de pouvoir produire la dopamine eux-mêmes à partir des éléments précurseurs qu'ils prennent dans la nature. Ce qui fait que lorsqu'on consomme dans les animaux, on consomme une quantité importante de dopamine et de précurseurs de dopamine à la fois. Donc c'est différent de prendre la banane parce que la banane va, il y aura des précurseurs de dopamine à un certain degré en fait, une certaine quantité qui n'est pas nuisible à l'organisme humain. Mais lorsqu'on prend l'animal qui est constitué comme l'être humain, lui, il a produit sa dopamine en fonction de ce dont il a besoin et à partir même des précurseurs qu'il a eu à prendre dans son environnement. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un animal, c'est comme si on consommait la dose de dopamine qu'on a dans l'organisme fois quelque chose. Donc, on est en excès. Lorsqu'on prend un animal, on consomme plus de précurseurs de dopamine qu'on ne devrait consommer. Mmh. Et donc, le mauvais penchant de ce côté-là, c'est que nous savons que la dopamine, c'est aussi une hormone qui intervient dans l'addiction. Mmh. Donc, il y a maintenant le phénomène d'addiction, ce qui fait en sorte qu'on commence à aimer, même ce qu'on ne devrait pas aimer, parce qu'on a certaines sensations. Soit de bonheur, soit de joie, soit d'euphorie, voilà, exactement, c'est ça. Donc, il y a dans ces deux voies-là. Et dans tout ce qui existe, il y a ces deux voies-là. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention. Donc, même pour ceux qui ont pris l'habitude de consommer même des animaux, cette alimentation-là aussi, elle est néfaste sur ce point-là et sur d'autres points même, parce qu'on a déjà eu à parler d'un autre facteur et puis ça se parle un peu partout. Mmh. Le fait que l'intestin humain n'est pas adéquat avec la consommation de viande parce qu'il n'est pas assez long et la destruction, la digestion des animaux prend beaucoup plus de temps. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des bols alimentaires qui sont constitués d'animaux qui mettent plus de temps dans le tube digestif. C'est-à-dire qu'il y a donc putréfaction, pourrissement et tout du bol alimentaire parce que la digestion prend plus de temps. Et vu que le tube, lui, n'est pas assez grand, ils sont comme stagnés, on peut dire ça. Donc c'est lent et ça pourrit. Ce qui fait que ce qui entre dans le sang, dans les cellules humaines, ce sont des éléments qui ont déjà changé de nature, qui ont pourri, qui ne sont plus adéquats, qui ne sont plus bons pour le système humain. Ça, c'est un point qui est déjà connu. Et donc, il y a un autre point qui est dans ce phénomène d'addiction. Parce qu'on pense souvent que l'addiction, c'est juste aux drogues, à l'héroïne et tout ça. Mais il y a les addictions même aux produits qu'on consomme, mmh. comme les animaux. Et même dans ces produits qui sont génétiquement modifiés, qui... pour certains, possèdent dans des précurseurs, dans des acides aminés qui sont précurseurs de dopamine pour certains, un peu, à des doses un peu plus élevées. Parce que les OGM sont constitués pour la plupart des éléments animaux aussi. Ce qui fait que la production à ce niveau-là augmente et nous avons donc une consommation qui est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'on devrait prendre et on devient donc addict à tout ce qui n'est pas bon. Aux animaux, aux OGM et tout. Ce qui fait que dans la conscience même populaire, c'est tous les gens vont dire que non, les OGM c'est pas bon, les engrais c'est pas bon. Mais on va comprendre ça difficilement dans la pratique
parce qu'on a une sorte d'addiction à ces éléments-là. Oui, donc, il sera difficile d'appliquer ce qui est dit parce qu'on est déjà conditionné à cause de ce que nous mangeons. Et donc, le fait de sensibiliser, c'est toujours bien. Mais maintenant aussi... Il y a un pas franchi, il y a des décisions à prendre. Exactement. Alors, sur ce cas des addictions, docteur, je reste avec vous parce qu'il y a cette préoccupation de Messa qui nous fait savoir que des enquêtes sur l'apartheid font état de ce que des produits alimentaires ont été introduits sur leur marché dans des magasins et autres boutiques. Et ces aliments avaient pour but d'inciter les Noirs à manifester beaucoup plus de violence. On a parlé le cas tout à l'heure de la dopamine qui était capable de pouvoir entraîner, déclencher véritablement des addictions et sans que l'on ne sache véritablement d'où est-ce que nous viennent ces envies. Est-ce que ça peut être également le cas pour le cas de la violence? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut consommer et qui puissent véritablement nous amener à être beaucoup plus violents? Oui, exactement. Lorsque nous prenons, par exemple, si on rentre au niveau des animaux, on a la classe des carnivores, on a la classe des herbivores, on a la classe des omnivores. On constate que dans la classe des omnivores, l'animal qui est beaucoup plus caractéristique souvent qu'on connaît, c'est le coq. Si on prend les carnivores, on va prendre le plus grand de la forêt, le lion. Si on prend la classe des herbivores, on va prendre par exemple le cheval. Quand on essaie de comparer le comportement des trois, au niveau des chevaux par exemple, ce ne sont pas des animaux qui sont connus pour leur violence, leur agressivité, mais ils sont connus pour leur façon d'être majestueux, d'être élégant, d'être beau et tout. Si on prend le côté carnivore, le lion, lui, il est connu pour être terrible, il est féroce. C'est-à-dire que même si c'est vrai que le lion, lui, il a peur de quand il voit un homme, ça n'empêche pas qu'il est capable de bondir dessus. Bien sûr. Maintenant, lorsqu'on prend la classe des omnivores avec comme exemple le coq, lui, il est connu pour être, on peut dire, un peu bête. C'est-à-dire qu'il peut passer devant un obstacle. Quelques minutes après, il repasse. Il a oublié. C'est que l'effet que ça a eu. Il a oublié, il repasse encore et ainsi de suite. Donc, quand on essaye donc de regarder ces différentes classes, on peut comprendre que une certaine alimentation peut donc entraîner dans la violence. Et c'est beaucoup plus le carnivorisme ou même encore l'omnivorisme à un certain niveau qui sont des alimentations qui entraînent beaucoup de violence. Parce que, comme on l'a dit, il ne faut pas oublier que les animaux sont un peu constitués comme les hommes. C'est-à-dire que ça influence, donc tout ce qui est produit chez l'animal va augmenter la quantité de ce qui est chez l'homme. C'est-à-dire que, comme on a pris l'exemple de la dopamine, donc l'animal a une certaine quantité de dopamine qu'il produit déjà lui-même, comme l'homme produit sa dopamine par partir des précurseurs, mais sa consommation double encore la norme qui devrait être lorsqu'il dans le sang humain. Des animaux. Oui, lorsqu'il consomme des animaux, il y a donc une augmentation de la plupart des précurseurs et d'hormones contenues chez l'homme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un homme normal doit, on dit un truc bête, hein, 1 mg de dopamine. Mais s'il prend un animal qui lui aussi, ça fait, c'est 1 mg de dopamine, il se retrouve à 2 mg. Et ça devient déjà un excès, et ça devient un problème. Donc, c'est la même chose à tous les différents plans, au niveau des hormones, tout ce qui régit en fait ce système-là. C'est la même chose. Donc, on peut juste faire des analogies pour comprendre pourquoi si, pourquoi ça, dans la plupart des cas. J'ai cru que j'étais dans un amphithéâtre. Merci infiniment, docteur Fabou, parce que ce que vous dites est d'une portée assez intéressante, parce que ça nous permet à nous autres de pouvoir mieux revoir qu'en fait notre alimentation quotidienne et véritablement nous séparer de ce qui est facultatif pour nous focaliser vers ce qui est essentiel. Mais il y a cette préoccupation du bon blanc parlant, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, des produits déshydratés. Que peut-on dire à propos des dates d'expiration? Autrement dit, pendant combien de temps après séchage peuvent-ils demeurer propres à la consommation? Ben, c'est ça là, dont l'avantage de la déshydratation. Je vous ai dit que lorsque l'aliment n'est plus gavé d'eau, eh bien, la dépréciation de l'aliment est totalement freinée. Parce que non seulement
pendant la déshydratation, les éléments essentiels se fixent encore plus fortement dans ce qui reste quand l'eau est partie. Mais en plus de cela, surtout si c'est le séchage, est aussi au soleil. Le soleil a la particularité non seulement d'apporter beaucoup de vitamine D sur ce qu'il touche, mais aussi et surtout de désinfecter, stériliser et de faire en sorte que les bactéries pathogènes ne puissent pas se développer lorsque c'est déjà déshydraté. Et donc, la déshydratation a cet avantage que le produit dont n'ayant plus rien pour se décomposer, eh bien, la durée de conservation va forcément se prolonger. Nous avons vu, et c'est ce que nous avons... Moi, par exemple, quand je voyage, quand je suis venu à Douala, comme c'est le cas dans notre véhicule, nous avons des prunes séchées, nous avons de la banane séchée, nous avons du plantain séché, nous avons des légumes séchés que nous devons préparer et tout cela. Donc, ça peut faire même 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun problème dans la mesure où ça a été déshydraté et que le pourcentage, lorsque nous on regarde le taux d'humidité, et c'est là où il faut aussi faire attention, parce que si vous voulez, par exemple, que l'aliment fasse un an sans s'abîmer, le taux d'humidité va être peut-être de 16%. Mais si vous voulez que, par exemple, l'aliment puisse faire 2 ans, il va falloir que le taux d'humidité descende peut-être jusqu'à 5%. Et si vous voulez que ça fasse encore plus loin, il faut que la déshydratation descende encore à 2%. Donc tout ça est fonction de la quantité d'eau ou d'humidité que vous avez réussi à enlever, hein, pour que le produit puisse être conservé. Et vous devez savoir que dès que vous prenez ce même produit, que vous le mettez en contact avec l'eau, c'est ça qui prouve qu'il est vivant. Tout de suite, il reprend de l'eau, il se gave d'eau. Et il a aujourd'hui. Heureusement que je vois de plus en plus des Africains, des entrepreneurs, de plus en plus expérimenter, par exemple, ce qu'on appelle la conservation, l'emballage sous vide d'air, des choses comme ça, qui commencent à être disponibles grâce peut-être aux importations des appareils, des machines qui viennent de la Chine et tout ça. Mais il va falloir que les Africains eux-mêmes mettre l'emphase pour fabriquer eux-mêmes les machines. Parce que je vous avais pris l'exemple de la machine que nous voulions acheter, par exemple, pour presser le citron. Ouais. Et une machine qui devait nous coûter 3,5 millions, c'était par exemple pour presser le citron. Ouais. Et une machine qui devait nous coûter 3,5 millions, nous, on a fabriqué notre machine qui n'a pas coûté 30 000 francs CFA. Donc ça, il faut aussi l'ingéniosité. Il faut être inventif. Il faut être à même de voir comment est-ce que à partir du village, on ne doit plus avoir des tonnes et des tonnes à transporter, mais plutôt de pouvoir, même avec le cheval, parce que voilà encore une autre chose, je vous dis, il y a tellement à dire dans ce domaine-là, parce que, regardez, nous, on a aujourd'hui, c'est pour cela que nous, on élève des chevaux, parce que l'Africain aujourd'hui est totalement dépendant des motos, des voitures et tout cela. Un agriculteur qui n'a pas de chevaux qui l'élèvent, ce n'est pas un agriculteur. Comment vous pouvez pratiquer l'agriculture sans élever des chevaux? Qui du chevaux dit également chariot. Mais bien sûr, forcément, veut dire voiture. Tout à fait. Parce que le mot voiture que vous voyez là, on parle de voiture aujourd'hui, ça vient de quoi? Les premières voitures sur la terre, c'est cheval plus charrette ou chariot. C'est ça la voiture. Ouais. On se plaçait, le cocher se mettait et il voyait devant. C'est pour ça qu'on a dit voiture. Donc là, on se positionne là où on voit le devant. Donc c'est de là qu'est venu le mot voiture. Donc il faut que le paysan sache que l'agriculture est un tout. On ne peut pas être là rien que pour aller mettre les plantes en terre, les protéger, les machins. Il faut aussi penser comment est-ce que tu vas rendre ça disponible pour les autres qui sont peut-être à 20 km ou à 30 km. Et pour cela, il faut automatiquement un moyen de locomotion. Ne pense pas tout de suite à la moto. Parce que ça va te demander 450 000 francs, 500 000. C'est bien plus, c'est bien plus maintenant. C'est bien plus, 400 000, je crois pas. Alors, vous voyez donc que si, comment je vais faire pour amener ça à tel endroit? En Afrique de l'Ouest, quand même, ça se développe. Les ânes transportent les marchandises, ainsi de suite. Les bœufs même, les taureaux et tout ça là, les chevaux. Et donc, il faut que les gens développent cela, surtout dans la partie Afrique centrale. On néglige énormément la question de la mise à disposition des agriculteurs
Et ça, encore une fois, c'est des décisions politiques. Parce que pour que désormais l'élevage se développe dans le sens de la production agricole, les gens, au lieu de tuer les animaux chaque fois pour les manger, parce que quand vous allez manger la vache, pour que vous puissiez manger la vache, qu'est-ce que la vache doit manger? Elle va manger les herbes, dont les plantes, les céréales, les fruits et tout ça là. Mais pourquoi vous ne mangez pas directement les céréales, les fruits et tout? Pourquoi vous préférez donner autant de nourriture à la vache pour que vous allez encore acheter la nourriture? Donc vous allez acheter la vache ou alors vous allez l'élever, vous la tuez. Une vache normalement doit faire au moins 30 ans de vie. 30 ans de vie. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? Après 2 ans, on l'a déjà tuée. Mais les 28 autres années que la vache aurait passé pour vivre avec vous, la vache vous aurait donné des tonnes et des tonnes d'engrais pour le renouvellement de la richesse de vos cultures. Et tout à l'heure, on va évoquer notamment le cas des palliatifs aux engrais chimiques venus de l'Occident et autres fongicides qui sont utilisés véritablement dans le cadre de l'agriculture aujourd'hui sur le continent africain. Même au-delà, prenons des réactions sur la page Facebook, si vous en avez convenance. Gambetti, il faut donc manger moins de viande, voire plus du tout. Le docteur est très, très pédagogue. Merci beaucoup. Il insiste en disant, grâce au docteur, je viens de prendre conscience des conséquences sur notre santé par voie de conséquence, sur notre bien-être d'une mauvaise alimentation basée essentiellement sur la viande et les produits manufacturés. Merci infiniment à vous. Chris Issis, allez voir le système éducatif de chaque pays pour voir que les présidents africains ne foutent rien au développement de l'Afrique. Lucien Yemaral qui nous écrit. Chris Issis, voilà. Les Africains sont des champions du monde de la danse. Le zouglou, le ndombolo, la rumba et la reproduction de masse, le développement. Ah, le développement n'est pas dans les gènes des Africains, non, loin de là. Le développement est également dans les gènes des Africains. Il est dans nos gènes. Il est dans nos gènes. Il reste juste à l'extérioriser, je vous en prie. Alors, il insiste en disant que le Cameroun et le Ghana sont les seuls pays à avoir reçu les céréales venues de l'Ukraine, en dehors des pays maghrébins et la Corne de l'Afrique. Ça, c'est votre information, vous, c'est vous qui le dites. Les Africains ne sont pas trop capables de se prendre en charge parce qu'ils sont eux-mêmes très paresseux et avides de buzz. Le même Chris Issis insiste, l'Afrique est le grenier du monde, mais c'est le continent le plus affamé du monde. Un véritable paradoxe. Monique Zinc, waouh, l'agriculture, merci de faire les émissions sur l'agriculture et bien sûr sur la santé. Et c'est pour ça qu'ils sont autour de nous. Alors, le bon blanc insiste, il a d'ailleurs renchéri dans sa préoccupation. Je crois que le grand prêtre est d'ailleurs revenu un peu là-dessus. Alors, Edith se pose aussi souvent un problème d'humidité, surtout en zone tropicale. On évoquait le cas tout à l'heure de la conservation des produits déshydratés. Alors, il se pose aussi un problème d'humidité, surtout en zone tropicale. Comment combattre donc contre les conséquences de l'humidité sur les produits séchés? Comment bien mesurer le taux d'humidité dont vous parlez? Après, je préfère vous donner la parole, oui, justement, parce qu'il dit qu'il faut, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cas où on doit conserver un produit peut-être pour 2 ans, ce n'est pas avec la même température, oui, qu'il faudra conserver le produit qui est censé être consommé en 1 an seulement. Très bien. Alors, comment calculer donc le taux d'humidité? Alors, ça ne demande pas des calculs, ça demande tout simplement de prendre un appareil qui permet de mesurer le taux d'humidité. Maintenant, si vous n'avez pas l'appareil, c'est très simple. L'homme lui-même est un appareil. Vous savez, quand vous prenez quelque chose que vous croquez avec votre dent, avec vos dents, vous pouvez tout de suite savoir s'il y a de l'eau ou pas. Quand il n'y a pas de l'eau, c'est dur à être coupé, c'est solide, ainsi de suite. Dès que c'est déjà humide, effectivement, ça devient plus facilement dégradable. Donc, mais aujourd'hui, il y a quand même je veux dire, comme des thermomètres, hein, c'est, ça ressemble effectivement à ça, qui permettent effectivement de regarder, de voir le taux d'humidité. Mais maintenant, je voudrais insister sur l'aspect de la déshydratation naturelle. Parce que, puisque nous expérimentons cela quand même depuis des années, il faut savoir que lorsque vous produisez, la nature a tout organisé.
Et c'est pour cela qu'on dit que l'Afrique est un paradis. Regardez, par exemple, tout est fonction. C'est-à-dire, la nature vous donne, vous dit à quel moment vous devez planter, à quel moment vous devez récolter. La nature vous donne tous ces informations. Tout est réglementé en tout cas. Tout est réglementé par la nature. Tout à fait. Au moment où vous commencez à récolter, il y a du soleil qui apparaît. C'est moi, on en semence, au moment où on en semence, il y a des pluies. J'ai eu l'expérience avec vous très récemment. Au lendemain d'une grande pluie, on est allé en semence. On est allé mettre les choses en terre. J'ai dû rallonger mon séjour. Donc, il faut savoir que la nature nous donne, contrairement à ce que les gens racontent, oui, les Africains vivent au rythme des saisons. Prenez cela comme un atout. Ce n'est pas une injure. C'est plutôt positif que quelqu'un, qu'il soit un président français, entre guillemets, qu'ils disent que les Africains vivent au rythme des saisons. Mais moi, j'ai vu, même en Occident, on vit au rythme des saisons. Les agriculteurs en Europe travaillent avec les informations de la météo. Pourquoi ils travaillent avec les informations de la météo s'ils ne vivent pas au rythme des saisons? Alors, c'est en Afrique que, quand on dit cela, ça rentre dans la psyché des Africains et ils commencent à se sous-estimer et ils pensent que les autres font autrement. Pourtant, il n'y a aucun agriculteur sur la Terre qui ne vit pas au rythme des saisons. Bien. Et il faut donc savoir que pour déshydrater les éléments de manière naturelle, ce dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est du vent, donc de l'air, donc de l'oxygène. Vous avez besoin d'un peu de chaleur, donc de la chaleur. Vous avez besoin de protection du produit parce que, en général, quand un produit est bon à manger, tous les insectes, tous les autres êtres vivants, les animaux veulent aussi manger ça. Il faut le savoir, c'est important. Ne croyez pas que c'est vous seul qui savez apprécier ce qui est bon. Les animaux, les insectes, toutes sortes d'êtres vivants apprécient ce qui est bon. Donc dès que vous allez mettre des trucs à sécher, la banane, le plantain et consorts et tout pour sécher, évidemment les animaux viendront pour manger. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut investir, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les éléments de protection. Et pour avoir des éléments de protection, l'élément le plus important que nous avons en tant qu'agriculteurs, c'est le grillage. Le grillage, parce que ça permet de ne pas laisser passer des mouches, ça permet de ne pas laisser les insectes nuisibles qui vont venir déposer n'importe quoi. On a l'image, merci de rester à cette image, voilà. des produits qui sont déshydratés. Très bien, oui, c'est la déshydratation. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Et donc, nous avons besoin donc de la chaleur, donc nous avons besoin de la circulation, donc de la propreté, parce qu'il faut que ce soit propre. L'environnement doit être propre quand vous voulez déshydrater. Maintenant, il y a des appareils qui se fabriquent aujourd'hui, même en Afrique. Les Africains eux-mêmes fabriquent déjà des appareils pour la déshydratation qui marchent tantôt avec le charbon, tantôt avec le gaz, tantôt avec l'électricité. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de pouvoir obtenir. Et l'agriculteur, au lieu d'aller acheter la moto, s'il a déjà résolu le problème de transport avec le cheval, l'âne, le taureau ou la vache et consorts et tout, eh bien, l'argent qu'il aurait pu dépenser pour la moto, il va mettre ça, par exemple, pour se faire fabriquer un appareil ou alors acheter un appareil pour le séchage ou la déshydratation. C'est plus important pour lui parce qu'il aura résolu déjà le problème du transport. Donc, il lui exigeait la moto avec les animaux qui vont l'aider. Mais en même temps, il va fabriquer la charrette et tout avec les plantes, avec les arbres qu'il a autour de lui. Il va se fabriquer une charrette et tout. Et donc, c'est une question d'éducation. Et moi, je pense que si on laisse la jeunesse africaine chercher seule les solutions, ça n'ira pas. Il faut que les gouvernements investissent, subventionnent l'agriculture. Et la subvention ne veut pas dire prendre l'argent pour aller donner aux gens. Non, ce n'est pas ça la subvention. La subvention, c'est créer toutes les conditions pour que l'agriculteur puisse avoir tout ce qu'il lui faut là où il est, pour qu'il n'ait pas besoin de se déplacer pour être épanoui et heureux. Et pour cela, l'État doit apporter l'eau à côté. Ça, c'est un petit jeu d'enfant. Il y a tellement de l'eau en Afrique. L'État doit apporter l'énergie électrique à côté du producteur. Cela est possible. C'est parce que nous mettons la priorité sur des choses qui n'ont même pas de sens. Si nous prenions la peine de chercher à ce que la jeunesse africaine puisse s'épanouir, y compris dans les zones rurales, on ne serait pas dans la violence que nous voyons aujourd'hui dans les villes. On ne verrait pas des jeunes
en train de casser, de braquer à répétition. Même quand ils sont dans la prison, ils sortent, ils partent encore braquer. Mais c'est parce que quand ils regardent, ils se demandent, mais si je suis là, qu'est-ce que je n'ai pas du travail, qu'est-ce que je vais faire? Grand-père, il y a la préoccupation de Toro Dofula. Revenant sur ces conditionnalités que devrait véritablement mettre en place l'État pour favoriser, faciliter l'agriculture, il dit que nous voulons par exemple des pompes à eau et des systèmes d'irrigation abordables, et faits d'ailleurs par les Africains, mais qui pour les inventer? Très bien. Alors, ça, cela est possible. C'est pour cela que je dis les gouvernants, les États doivent mettre en phase l'emphase. Ce n'est pas le jeune qui devrait chercher à aller acquérir une pompe. Ce n'est pas le jeune qui devrait aller chercher comment il va irriguer son champ. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques permettant à la jeunesse d'avoir tout cela disponible. Cela s'est fait en Occident, ce n'est pas sorcier. Les Occidentaux ont fait comment? Ils sont passés par l'agriculture pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Avant de venir fabriquer les avions, avant de venir faire les fusées, avant de venir faire les instruments de calamité pour la guerre et consorts, ils étaient d'abord des fermiers. Les riches, les plus riches en Occident, ça a toujours été des fermiers. L'histoire de l'esclavage, par exemple, aux États-Unis, un peu d'histoire nous a fait savoir que les nègres étaient déportés là-bas pour aller dans les plantations de canne à sucre et tout. Et vous voyez donc que nous, on nous déporte pour aller pratiquer l'agriculture, comme aux Antilles, comme en Guadeloupe et consorts et tout. Mais nous, on est ici, on leur demande de pratiquer l'agriculture pour s'affranchir, puisque c'est ça qui leur a permis de se développer. Mais nous, on abandonne l'agriculture, on considère ça comme un métier ou quelque chose de ceux qui ont raté leur vie, au lieu de mettre l'emphase sur l'agriculture. Je vous dis, c'est une question éminemment politique. Et nous pensons que c'est l'occasion pour nous de dire aux Africains: travaillons désormais pour que les jeunes puissent être sensibilisés sur la nécessité de pratiquer l'agriculture. Moi qui vous parle, je suis aujourd'hui un homme heureux. C'est parfois difficile qu'un homme puisse affirmer cela, mais je peux vous le dire. Je suis parfaitement heureux à tous les niveaux. C'est-à-dire, non seulement j'ai une santé parfaite, je dis bien la santé parfaite. Il est difficile de me voir, même les maux de tête. Pour qui est les maux de tête, c'est tout un problème. Je suis heureux parce que je suis en bonne. Je suis heureux parce que je ne dépends plus de l'extérieur pour me nourrir. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, avec les charrettes que nous avons fabriquées, nous pouvons faire 50 km, même sans voiture, aller là où nous voulons, aller rendre visite à des parents, ou alors aller transporter notre truc pour amener au marché. Nous avons créé toutes les conditions de bonheur en étant au village. C'est pour cela que M. Ndoum, qui a déjà fait ce voyage dans ce village, qui a séjourné là-bas, mais c'est un témoin vivant. Et les jeunes peuvent le faire. C'est pour cela que nous, vos parents, nous avons pris ces initiatives pour vous démontrer que le bonheur n'est pas forcément en ville. Tout à fait. Il est possible que vous soyez heureux, mais nous demandons aux gouvernants, s'il vous plaît, que ce ne soit pas seulement des slogans. Que ce ne soit pas seulement la jeunesse est le fer de lance de la nation. Non, ça c'est des slogans. Il faut donc le démontrer en investissant sérieusement dans l'encadrement de la jeunesse, en la fixant dans des endroits où on doit peupler, occuper nos terres, au lieu de les laisser, de les brader à ceux qui viennent faire des grandes exploitations de riz pour que le riz aille chez eux et non pour nourrir les Africains. Oui. Nous devons tout faire pour que cela soit inversé. D'accord, merci. Merci à vous. Ah, une mission assez intéressante. Ça va également dans tous les sens sur la page Facebook. Il y a beaucoup qui sont d'ailleurs très satisfaits de cette production. Prenons la préoccupation, docteur, je vous retrouve. La préoccupation de Marie qui nous écrit également depuis le Cameroun, tout en saluant d'ailleurs le grand maître sur le plateau. Alors, que pensez-vous de la mentalité de l'Afrique, des Africains qui ont cultivé la prêter au gain en sacrifiant l'aspect de la santé pour la surproduction des aliments? La santé n'est-elle pas une vue de l'esprit finalement pour des personnes qui, conscientes de cultiver les maladies en utilisant des engrais, attendent plutôt un bien-être hypothétique? C'est vrai, monsieur Ndoum, mais il faudra aussi savoir que le système dans lequel nous sommes actuellement, c'est un système qui prône
on peut dire, le capitalisme. C'est-à-dire que le bien matériel, avoir de l'argent, c'est ce qui fait en sorte qu'on soit heureux. Et c'est ce qui, entre guillemets, peut nous garantir une bonne santé. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne va pas tomber malade, mais parce qu'on aura quand même les moyens pour pouvoir aller à l'hôpital se soigner ou encore aller dans des pays extérieurs pour avoir un traitement. Sauf qu'on arrive au niveau où il nous arrive déjà d'avoir des maladies qui sont dites incurables selon la médecine moderne. Ce qui signifie que l'argent et les biens matériels de sous toutes les formes ne suffisent plus à avoir ou à s'assurer d'avoir une bonne santé ou encore de pouvoir même guérir lorsqu'on va finalement tomber malade. Donc ce qui est un élément important, c'est de pouvoir, comme on le fait depuis ce matin, attirer l'attention, sensibiliser en faisant donc ressortir les possibilités, ce qui est possible de faire de manière pratique pour que quelqu'un ne reste pas à dire, bon, c'est vrai que ce n'est pas bon, mais qu'est-ce que je fais alors finalement, puisque je n'ai pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est de donner les solutions pour que ce qui se fait ne puisse plus se faire. Mmh. En faisant dans les relations avec tout ce qui nous arrive actuellement, parce que les maladies comme le cancer ne proviennent pas d'autres choses, même s'il y a d'autres éléments comme l'hérédité et tout, ça ne vient pas d'ailleurs que l'alimentation. Les maladies comme l'hypertension ne viennent pas d'autre chose que l'alimentation. La goutte ne vient pas d'autre chose que l'alimentation. Que la mauvaise alimentation. Exactement. Puisque lorsque on est face à un malade qui est peut-être hyper tendu, qui est diabétique, qui a la goutte, très régulièrement, on lui demande de bien s'alimenter d'abord. C'est le préalable. Allez bien vous alimenter. Je me souviens une anecdote, maître, docteur, pardon. J'ai eu un congé technique à Fribédé et lorsque je suis allé voir le médecin, il m'a dit que je n'avais aucun problème, mais qu'il fallait juste que je me repose et je prenne le temps de bien m'alimenter. Et quand je l'ai fait en deux semaines, je suis revenu au directeur général, mais monsieur me dit non, je suis prêt pour travailler. Voilà, exactement. J'ai pris aucun médicament. Exactement. Donc, vous êtes un bon témoin de ce que nous vivons depuis le matin. Et c'est pour dire que dans ces maladies-là même, la première des choses, c'est l'alimentation. On dit plus de viande, il faut semi-cuire les aliments, il faut éviter les huiles raffinées, il faut éviter le sel blanc, il faut éviter les fritures. Donc ça veut dire que la base, c'est d'abord cette alimentation là. Alors en mettant au jour ces informations là, en faisant donc les rapprochements entre ce que nous pratiquons et notre santé, nous pensons que même si quelqu'un il est d'un capitalisme outrancier, même pour son bien à lui-même, il pourra utiliser ces solutions-là qui ont été données pour que lui-même, à son niveau, il puisse éviter certains problèmes de santé. Ce qui va faire en sorte qu'en modifiant donc, sa vie à lui-même, sa façon de faire des choses, ça pourra mettre à l'abri aussi ses frères, même s'il ne pense pas à ses frères, mais ça pourra mettre à l'abri les autres qui dépendent de ce qu'il fait, de ce qu'il pratique. Puisqu'on a parlé par exemple des personnes qui font l'agriculture de manière industrielle, alors à ce moment-là, il y aura quand même la population déjà qui va essayer de se mettre, qui va devenir un peu lucide et avoir un peu de discernement pour dire ben, attention. Il y a même aussi ces personnes-là qui pourront d'une certaine façon être touchées et changer leur façon de pratiquer cette agriculture-là qu'ils ont peut-être appris ou bien les ingénieurs qu'ils ont eu à faire venir pour avoir une certaine nuance, pour que les effets soient moindres. Mais ce qui est sûr, c'est que la population sera maintenant avertie et pourra elle-même aussi se prendre en charge et ne plus dépendre de ceux qui sont dans un coin qui ont décidé de faire l'agriculture industrielle, parce qu'elle-même, elle aura décidé de pratiquer l'agriculture à domicile en utilisant donc les solutions qui ont été proposées, et elle pourra être à l'abri d'un bon nombre de problèmes et devenir beaucoup plus lucide pour prendre en charge elle-même sa santé et ne plus dépendre donc des produits pharmaceutiques
et même des produits qui sont de la pharmacopée, mais qui sont modifiés malgré tout. Parce que même si on dit qu'on va s'intéresser à la pharmacopée africaine, il y aura quand même ces engrais-là qu'on va utiliser. D'accord, merci. Merci infiniment à vous. C'est docteur Fabou, pour celui qui demande son nom. Elle est avec nous en plateau. Elle est médecin généraliste. Voilà, elle a fait toutes ses classes possibles aujourd'hui. Elle est au service de l'humanité, notamment en nous apportant ces précisions qui sont utiles pour le bien-être de tous. Il y a cette remarque de Torodo Fola qui nous fait savoir que le ministre malien, l'actuel du commerce, souffre pour faire importer près de 5000 tonnes de sucre en un mois. Pour lui, ça fait couler des larmes. Le Mali est pourtant traversé par le fleuve Niger du sud au nord, et ce Mali qui cultivait pourtant et produisait son sucre depuis Modibo Keïta ne parvient plus malheureusement à le produire aujourd'hui. C'est le paradoxe de nos états. Je vous vois tout simplement débité, grand maître, à la lecture de ce message. Il y a par exemple des pays qui à un moment donné étaient reconnus pour ses services, en tout cas dans un domaine précis. Aujourd'hui, peut-être on parle, le Mali a peut-être reculé dans le cadre de la production de sucre, mais le coton, oui, il se bat. Comment est-ce qu'on ne parvient pas à consolider les acquis? Mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on imite les autres. Le problème, c'est qu'on imite les autres. Et les autres nous esclavagisent. Parce que la vassalisation, ce n'est pas seulement lorsque on accepte d'être dirigé par l'autre sur le plan militaire, sur le plan des choix politiques et tout ça là. Mais c'est aussi le fait que vous cultivez, par exemple, ce que vous ne consommez pas. Je prends l'exemple du café. L'Africain n'est pas un grand consommateur de café. Mais on l'oblige et on le contraint à cultiver le café. L'Africain n'est pas un grand consommateur de cacao. Et même quand il aurait été un grand consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Son cacao quitte l'Afrique, va à l'extérieur et on peut lui fabriquer la poudre de cacao et c'est ça qu'il vient manger. Vous vous rendez compte, c'est de l'idiotie. Il n'est pas question que nous soyons toujours en train de dépendre ou de suivre ce que les autres font. Posons-nous la question toujours, qu'est-ce qu'il nous faut pour être épanoui? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être en bonne santé? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir garantir notre autosuffisance alimentaire? Nous ne devons pas réfléchir par rapport à la demande de l'étranger, de l'extérieur. Non, nous devons réfléchir par rapport à... Et non par suivisme ou alors par mimétisme. Pas par suivisme, mais par mimétisme. Nous devons régler nos problèmes. Et maintenant, quand on les a réglés, les problèmes de base, les problèmes basiques, nous pouvons donc faire des choix au niveau de l'industrialisation. De dire par exemple qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas du Cameroun, au lieu de continuer à dépenser des milliards et des milliards pour obtenir les outils agricoles et tout, mettons l'emphase sur la production du fer, l'extraction du fer et sa transformation locale. Parce que voilà, encore une fois, nous avons du fer. Et vous nous avez expliqué sur ce plateau combien il était important de nous intéresser à l'exploitation du fer plutôt qu'à la distraction de l'or et du diamant qui nous est servi sur le continent. À l'heure actuelle, ce n'est pas l'or qui est la priorité. Ce n'est pas le diamant qui est la priorité. La priorité, c'est d'exploiter le fer. Tout à fait. Avec le fer, on est capable de produire, de fabriquer non seulement les produits, les outils agricoles, les produits manufacturés en général. Même pour rouler, pour aller d'un endroit à un autre, on a besoin du fer. Pour pouvoir sécher nos produits, on a besoin du fer. Pour pouvoir faire fabriquer des choses pour les maternités et consorts, on a besoin de fer. Pour faire les lits médicaux et tout, on a besoin du fer. Ainsi de suite. Mais c'est le fer aujourd'hui qui est capable de booster réellement l'économie, par exemple, du Cameroun. Mais pourquoi est-ce que au lieu de mettre toute l'emphase dessus, on va s'éparpiller en voulant exploiter 100 produits différents. Mais quand même, mais ce n'est pas possible. Ça, on est éparpillé comme des poules. Il faut être méthodique. On dit, bon, si nous prenons par exemple l'exploitation du fer,
on met toute l'emphase dessus. On n'est même pas obligé d'aller chercher l'argent dans les banques à l'étranger. Mmh. On n'est pas obligé d'aller voir Exim Bank China pour pouvoir on va pas les citer quand même. Non, on n'est pas obligé d'aller voir tous ces partenaires. On a de l'argent pour pouvoir... Il faut seulement qu'on se concentre et on voit les priorités. Quelles sont nos priorités ? Nous devons manger convenablement pour être en bonne santé. Nous devons nous loger, nous devons nous habiller, nous devons faire en sorte que nous puissions avoir en qualité et en quantité ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. Mais nous avons les possibilités de le faire sans même emprunter de l'argent. Mais je n'arrive pas à comprendre qui a dit à nos dirigeants que pour se développer, il faut emprunter. Qui vous a dit ça? Cette théorie-là, c'est la dynamique de prêter pour se développer. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est parce que vous voulez faire comme les autres, vous voulez courir après les autres, vous voulez rattraper les autres. Mais est-ce que vous êtes obligé? Est-ce qu'eux-mêmes se sont développés avec les prêts? Est-ce qu'ils se sont développés avec les emprunts et tout cela? Pourquoi nous voulons toujours imiter les autres? On n'est pas obligé. Moi, j'ai dit aux gens, pour que nous, on aille faire ce qu'on a pu faire jusqu'à l'heure où nous sommes. Mais ça nous a pris au moins 20 d'années. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est tranquille. Et on l'a fait sans emprunter aucun franc. Mais c'est possible. Puisque c'est ce qu'on a fait. On a eu juste la question de, on prend notre machette et notre roue. Et on s'est mis à travailler. On a quitté la ville, on s'est retrouvé en campagne, on s'est mis à travailler avec les mains et nous sommes allés à notre rythme. Tout à fait. Personne ne nous a imposé un rythme quelconque. Nous ne voulions imiter personne. Nous ne voulions faire comme personne. Nous avons développé notre propre ingéniosité et nous sommes allés à notre propre rythme. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où maintenant nous pratiquons du tourisme. Vous comprenez, monsieur Ndoum? Ah, oui. Actuellement, vous savez que le tourisme, il n'y a que les riches qui font le tourisme. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous, on fait du tourisme. C'est-à-dire qu'on est des agriculteurs, des paysans et tout. Pour la petite histoire, je ne trahis aucun secret. Nous sommes venus à Douala à l'heure actuelle parce que nous sommes venus dédouaner un bus. Vous voyez, un bus, hein. C'est-à-dire pour que des villageois. Mais oui, des villageois. Mais ça nous a pris du temps, mais nous y sommes. Nous dédouanons le bus maintenant pour commencer de temps en temps à aller retrouver, à voyager, pour aller dire aux paysans, voici comment vous pouvez désormais faire, voici comment vous pouvez vous soigner, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes à la phase où notre richesse, c'est de transmettre les connaissances que nous avons et de pouvoir être heureux de voir les gens modifier et changer leur état de conscience et en même temps, leur situation sociale, nous pouvons apporter parce que nous avons pris tout notre temps et c'est ce que les gouvernements devraient faire. D'accord. Il reste plus assez de temps. Si vous avez quoi que ce soit comme revendication, préoccupation, nos contacts sont juste au bas de la production et bien entendu un service sera mis immédiatement à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. Docteur Fabou, il y a beaucoup de préoccupations à votre endroit. Je crois qu'on va, faire une rallonge. On va reprogrammer l'acte 3 de l'agriculture et santé. L'acte 4, c'est important. L'acte 5. On n'a même pas abordé la question des engrais. On va y revenir. Docteur, permettez que je vous... il y a beaucoup de préoccupations. Je crois qu'on va peut-être évacuer quelques-unes très rapidement. Alors, oui, il y a effectivement cette question sur le formol. Voilà. Comment, de manière pratique, vraiment, si en une minute on peut faire, parce qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations sur lesquelles je souhaiterais que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse, comment, de manière pratique, on peut faire pour savoir si un fruit sur le marché a été traité au formol? De manière pratique, il faudrait savoir que tous les produits qui ne sont pas vendus par les... Parce que la tactique que nous utilisons souvent lorsque nous sommes en ville, c'est que nous nous dirigeons vers les vieilles mamans, donc des mamans qui viennent des villages. En fait, comme ça, c'est une maman qui vient de son village avec ses produits, elle est arrivée le matin, elle n'a pas beaucoup de choses, elle a juste un petit panier qu'elle vient vendre, sûrement parce qu'elle va acheter de l'huile ou quelque chose comme ça. Généralement, c'est chez ces mamans-là qu'on prend des fruits. Parce que lorsque ce sont déjà des fruits qui sont... En fait, c'est beaucoup. Les personnes... On a acheté au marché de je ne sais quoi, des sacs et des sacs. Et puis, on vient écouler progressivement. Il faut déjà savoir que non, ça, c'est clair que c'est traité. Parce que de nos jours, c'est difficile que les personnes n'utilisent pas ces méthodes-là. Mais par contre, lorsqu'une maman a peut-être quelques pruniers à la maison et qu'elle a besoin de l'huile,
elle va se lever le matin, elle part avec ses quelques prunes qu'elle a récoltées pour vendre, elle achète son huile et rentre. Et là, ce n'est pas traité. Au toucher, ou alors de manière visible, ce n'est pas, c'est pas possible de pouvoir savoir qu'un produit a été a reçu du formol. Si, c'est possible de le savoir parce que, bon, c'est vrai que ce serait un peu difficile pour une personne qui n'a pas encore eu à avoir un produit qui est vraiment naturel, c'est-à-dire que peut-être une mangue qui a vraiment été cueillie là, savoir que c'est, ça se, quand tu touches, c'est comme ça, et comparer donc avec l'autre qu'on a conservé avec le formol. Il faudrait donc qu'il vienne faire des stages dans, au village Niafianga, et comme ça, ils pourront certainement savoir ce qui est naturel. Une mangue naturelle. Juste un petit truc en disant. Oui, mais. Attention, quand vous allez au marché, lorsque vous voyez un produit qu'un insecte a touché, aussi, sachez que c'est le bon produit. D'accord. Alors, docteur, on va s'arrêter là avec cette préoccupation de Opening Eyes Africa. Docteur, souvent, certains médecins justifient la consommation de la viande en disant qu'on a besoin des protéines animales. Qu'en pensez-vous de ces protéines animales qu'on consomme? En fait, c'est bon, c'est pour ça qu'on disait au départ que c'est parce qu'on prend un système qui vient d'ailleurs, qu'on a copié, qu'on exécute tout simplement. En réalité, le corps humain a juste besoin de protéines, d'acides aminés. Pour, en réalité, le corps humain même, en fait, produit ces protéines. A juste besoin de certains acides aminés. Mais la plupart des acides aminés sont déjà produits par le corps humain. Bon, maintenant, tous les fruits et légumes, céréales et tout, possèdent des acides aminés. Mais maintenant, il peut arriver qu'il y ait dans certains fruits qui possèdent des protéines de manière un peu plus abondante. Comme le safou. Oui, exactement, comme les prunes. Mais ça ne veut pas dire... En fait, le problème, c'est le jargon utilisé. Donc, le corps humain n'a pas besoin de protéines animales. Il a besoin de protéines. Mmh. Et plus précisément, même en fait, des acides aminés. Parce que lui-même, il produit ses protéines, tout ce dont il a besoin. Il a juste besoin de certains éléments pour terminer lui-même sa fabrication de la plupart de ce dont il a besoin. Mmh. Donc, ce n'est pas protéines animales, c'est protéines, tout simplement. D'accord. Il faut tout corriger. Merci infiniment à vous. On va prendre rapidement ses contributions. Lerna Larry Nabarni, j'espère que je prononce bien, c'est l'agriculture qui nourrit le monde. Tout le monde n'est pas né pour travailler au bureau. La preuve, de temps en temps, nous avons au village Niafianga pour passer un agréable moment. Marie, depuis le Cameroun, maître Mobetan, dites-nous pourquoi la qualité de l'aliment ne sert qu'à réduire les risques de maladies sans les éradiquer. On dirait que la terre s'est modifiée et n'obéit plus aux attentes des hommes. Que faire? On va répondre pour sortir rapidement. Je préfère finir avec les contributions. Torodo Fula, docteur Feseidou Badian Kouyaté, écrivain et camarade de lui du président Modibo, a témoigné qu'aux indépendances, ils ont demandé à des experts français de les aider à cultiver de la canne à sucre au Mali. Mais ces derniers leur ont dit que ce n'était pas possible. Mais les Chinois sont venus et ont aidé dans le delta intérieur de l'office du Niger à Ségou. Et aujourd'hui, les champs de canne à sucre sont bien entendu visibles. Allez-y voir pourquoi les Français n'avaient pas autorisé cela. Merci à vos Torodo. Bonjour Afrique Média. Pour nous, la vérité, c'est vous. Vous également faites partie de cette vérité qu'on construit au quotidien. Précision pour sortir, quand même. Bien, alors... Je pense que c'était tout à l'heure la question. La tout à fait, la préoccupation de Marie qui disait, dites-nous pourquoi la qualité de l'aliment ne sert qu'à réduire les risques de maladies sans les éradiquer. Pas seulement, d'accord. Pas seulement, mais aussi l'alimentation, la qualité de l'aliment va jusqu'à la guérison. Rappelez-vous de cette maxime d'un penseur qui disait que ton aliment soit ton médicament. C'est parce qu'un aliment en réalité, c'est un médicament. Le médicament en question contient une énergie, et une énergie qui se particularise en fonction des besoins spécifiques de chaque structure organique. Donc, il faut savoir que l'aliment non seulement prévient la maladie, mais l'aliment aussi guérit. Je prends le cas, bêtement comme ça, de peut-être l'ananas. Alors, quand vous allez prendre l'ananas, non seulement l'ananas vous permet d'éviter des constipations parce que c'est un fruit très fibreux, mais en plus l'ananas est énergétique et l'ananas contient assez de glucides, et cela fait en sorte que vous ayez le bon sucre
qui, lui, il va être très, très bien métabolisé par le foie parce que c'est un sucre naturel. Et le foie, métabolisant correctement, va donc travailler de concert avec tous les autres organes à sécrétion interne. Et ça fait que même quand cela trouve une maladie qui dormait dans votre corps, même sans s'être manifesté, vous allez être guéri, même sans savoir que vous aviez cette maladie-là. Elle vient se présenter souvent parce qu'à un moment donné, le foie est déjà saturé par la bataille qu'il mène au quotidien pour enlever les éléments toxiques qu'on apporte dans l'agriculture à travers les engrais, les fongicides, les pesticides et consorts. C'est ça qui fait que le foie devienne totalement saturé et finalement, n'importe quelle maladie se développe dans le système. Donc, dès que vous avez mangé convenablement, ce n'est pas seulement que ça prévient la maladie, mais c'est aussi si ça trouve une maladie qui voulait déjà se manifester en vous, eh bien, elle va partir. C'est le cas de la goutte, qui n'est rien d'autre qu'une intoxication généralisée du système. Donc, au fur et à mesure que vous mangez convenablement, la goutte va disparaître jusqu'à la guérison totale, sans avoir besoin d'un médicament quelconque. Merci infiniment à vous. Et j'ai coutume à le dire sur cette antenne, vous êtes des personnes providentielles parce que vous nous permettez de traiter des questions de docteur Fabou. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci, monsieur. Grand-père, l'acte 3, c'est pour samedi prochain. Oui, samedi prochain, nous allons bien sûr revenir là-dessus encore. Mais surtout, portez-vous bien, mangez bien, mangez plus de légumes, des fruits, des céréales naturelles, sans pesticides, sans fongicides et tout cela. Et vous pouvez le faire même chez vous. Parce que même le riz, vous pouvez le cultiver chez vous, à la maison, même dans des bacs. Et voilà qui est dit. Merci à vous très cher monsieur de nous avoir suivis. On se trouve samedi prochain. Les paysans vont parler au monde entier. À très bientôt.